Salut à tous, aujourd'hui on essaie de résoudre ce problème de clignotant trop rapide. Donc j'ai déjà changé la centrale d'origine par une autre centrale. Ça fonctionne au ralenti, mais ça ne fonctionne pas dans les tours. Donc je vais utiliser une autre centrale et réutiliser la connectique de celle-ci. Donc j'avais déjà commandé cette centrale bien avant. Je l'ai testée à blanc en branchant directement les fils dans la prise de la moto, en démarrant la moto également, et ça fonctionne. On peut même régler la fréquence des clignotants. Je vais donc réutiliser la connectique de cette centrale pour pouvoir la brancher sur celle-ci. On se retrouve juste après. Donc attention, le seul point à vérifier, c'est la présence donc du L et du B. Hop, sur la prise d'origine et bien la reporter sur celle-ci. Sur la nouvelle centrale, j'ai aussi un L et un B, mais plus qu'à reporter. Donc au centre, on voit la petite vis qui permet de régler la fréquence. Là, elle était déjà bien pré-réglée. J'ai fait le test. Donc voilà, j'ai donc ajouté deux cosses que j'isolerai ensuite avec de la bande thermo. Donc voilà, j'ai tout câblé, il n'y a plus qu'à le brancher maintenant. Alors pour que ce soit plus facile à remonter, vous pouvez démonter cette pièce-là. Ou en tout cas, juste la décaler. Donc une vis ici, et enlever le cache qui est là pour pouvoir déplacer la pièce. Du coup, on peut normalement plus facilement insérer le caoutchouc. Ah ouais, c'est carrément facile en fait. N'y a plus qu'à brancher. J'ai quand même remis un petit rilsan pour éviter que le fil ne se balade. Voilà, j'ai plus qu'à remonter cette petite pièce en plastique. Allez, on teste pour savoir si ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien, moteur à l'arrêt. Maintenant, moteur allumé. C'est toujours bon. Il n'y a plus qu'à remonter de cache maintenant. Et bien voilà, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne et que tout fonctionnera bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Tchuss!